Oh là là, je suis en très bonne compagnie. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je suis dans les Hautes-Alpes, à Tallard, où je viens bosser aujourd'hui chez Sacré Willy, un maître laitier. C'est pas la personne que j'attendais, mais bon. Ah bah te voilà, Estelle. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Je t'ai apporté le petit déj. Bah merci beaucoup. Chez Sacré Willy, du coup, vous faites quoi? Alors, on est maître laitier, du coup, on fabrique des crèmes dessert. Moi, je suis agent de fabrication. On va fabriquer un dessert? Oui. Eh bien, écoute, j'ai hâte d'aller découvrir tout ça avec toi. On va bosser? Bonjour, allez, c'est parti. Donc, chez Sacré Willy, Estelle, vous êtes spécialisée dans la fabrication de crèmes. C'est ça, de crèmes dessert. Combien de parfums, à peu près? Oh, je dirais une dizaine, quand même. Une spécialité? Ah, moi, j'adore la crème vanille ou pistache, là, c'est... Bon, je suis d'accord avec toi. Et là, on va se diriger maintenant... Eh ben, en salle de fabrication, fabriquer une crème chocolat. Crème au chocolat, les amis, aujourd'hui. Donc, je vais te laisser doser jusqu'à 90, du coup. Donc, on enlève le couvercle et on ouvre la vanne. Et là, c'est parti pour 90 litres de crème. C'est ça. Donc, toi, t'as plusieurs postes ici, Estelle. Oui, c'est ça. Parce que c'est une PME. Ouais. Donc, vous êtes tous un peu polyvalents. Pas tous, mais en majorité, oui, on fait faire beaucoup de choses. La remise des stocks, du nettoyage. Toi, ce que tu préfères faire ici, c'est... Moi, c'est la fabrication, évidemment. Ça fait combien de temps que tu es arrivée chez Sacré Willy? Moi, ça fait bientôt 2 ans. Je suis arrivée dans la région et je cherchais du travail. Et du coup, en agence d'intérim, ils m'ont trouvé ce travail ici. Ça a été la découverte et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je suis restée. Parce que ta formation à la base, tes études, c'était quoi? Ah, ils n'ont rien à voir. J'ai fait un bac pro dans l'artisanat et les métiers d'art. Au final, j'ai trouvé ici et voilà. Quand on est heureux et que ça nous plaît, on reste. Voilà, le petit pas de côté qui t'amène ici aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette crème? Alors du coup, on va commencer la ganache. Donc pour faire cette ganache, on va mettre de la crème bien chaude et le mélanger au chocolat. Allez, c'est parti. C'est parti, mon Willy. Bonjour, je suis nouveau ici. C'est à quelle heure la pause déj en fait ici? Non, comment ça, il n'y en a pas? Ah bon? Bon, bah je vais me nourrir à la ganache au chocolat en fait, c'est ça? Ouais. Je pensais que ça allait être plus industrialisé. Ici, on a vraiment le contact avec le produit et c'est ce qui est intéressant quand même. Si vous aussi voulez apprendre à faire une ganache au chocolat de 100 kg, je conseille de venir la faire avec Estelle. Sympathisme et dynamisme. Sympathisme, j'ai inventé un mot, t'as vu? Du coup, on a tout notre chocolat. On en fait quoi maintenant? Eh bien, du coup, maintenant, on va aller la mettre dans la cuve avec la masse lactée que ma collègue a préparée. Alors, rappelle-moi, vous êtes combien ici? Alors, ici, on est une vingtaine. Qu'est-ce qui te motive, Estelle, pour venir bosser ici le matin chez Sacré Willy? Déjà, le fait que ce soit une bonne entreprise familiale où tout le monde s'entend bien. Vu qu'on a une bonne ambiance, c'est vrai qu'on a envie de venir travailler vu qu'on s'y sent bien. Et après, le travail, le fait que je sois polyvalente et que les journées ne se ressemblent pas. Quelle qualité il faudrait pour faire ton travail? Enfin, mon travail, je dirais un peu dynamique, qui a envie d'apprendre parce qu'ici, on apprend tout le temps. Donc les amis, notre ganache est prête à être conditionnée. On change de labo, de salle? On change de salle, oui. Très bien, allons-y. On passe au conditionnement. Du coup, là, toute la préparation qu'on a faite, ça va faire combien de crèmes au chocolat au final? On doit en faire à peu près 3000 pots. Avec ce qu'on a fait? Oui. Ce matin? Oui. 53, 54, 55. Mais là, tu t'en sors bien, on est bien. Merci. Tu pourrais travailler chez Sacré Willy. C'est vrai? Mais oui, la fabrication est nickel. Bon, on écoutez, va voir la propreté. Mais... Moi, j'ai envie de vous dire, si moi j'y arrive, je pense que vous aussi. Donc, si vous cherchez un job, n'hésitez pas à venir chez Sacré Willy. Ouais. Artisanal, c'est mieux. Plutôt salé, même si ici on fait du sucré. Vert, c'est plus écologique. Ah, madeleine, un péché mignon. Ça pousse à la gourmandise vos produits. Oui. Merci beaucoup Estelle de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était super. Si vous aussi vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de chez Sacré Willy, vous serez toujours bien su et vous retrouverez certainement Estelle pour votre plus grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, likez la vidéo et abonnez-vous.